بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 5 sur le cours des équations différentielles, niveau Bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Déterminer la solution de l'équation différentielle E qui vérifie la condition initiale y de x0 est égal à y0. E, c'est y' plus 3y est égal à 0, et x0 est égal à moins 1, et y0 est égal à 1. Réponse. Résolvons E. Résolvons l'équation différentielle E, qui est y' plus 3y est égal à 0. On a y prime plus 3y est égal à 0. Ceci équivaut à y prime est égal à moins 3y. Donc on a la forme générale d'une équation différentielle du premier ordre, qui est y prime est égal à ay. A c'est moins 3. Donc sa solution est y est égal à un certain nombre lambda fois l'exponentielle de ax. Ici, a c'est moins 3, donc c'est l'exponentielle de moins 3x. Donc je vais écrire ça. Donc y est égal à lambda fois l'exponentielle de moins 3x, où lambda appartenant à R, ce y est une solution générale de E. Et on va chercher lambda. Et on a y de moins 1 est égal à 1. Donc, lambda fois l'exponentielle de moins 3 fois moins 1 est égal à 1. Ceci implique que lambda fois l'exponentielle de 3 est égal à 1. Ceci implique que lambda est égal à 1 sur l'exponentielle de 3, c'est-à-dire l'exponentielle de moins 3. Donc, y est égal à l'exponentielle de moins 3 fois l'exponentielle de moins 3x. Autrement dit, y est égal à l'exponentielle de moins 3x moins 3. Et la solution, ce y, c'est la solution unique dans notre équation différentielle E qui vérifie y de moins 1 égale à 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.